acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements? Please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Encore une fois de plus, je suis très heureux une fois parce que j'ai beaucoup eu de vos mails. En tout cas, mon email adresse a explosé. Je crois j'arrive maintenant par jour au moins 2000, 3000 emails. Je ne peux pas tous les lire, mais je les lis quand même en ligne. Ceux qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp sur le grand sujet brûlant. À Goma, la situation continue à se porter pas très bien. Nous avons vu les membres du gouvernement ont été dépêchés de l'autre côté. Vous allez les suivre dans le grand titre des journaux que nous allons vous lire juste lorsque après avoir introduit cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler encore, comme dit notre émission, de la Constitution. Et dans cette Constitution, nous allons parler de l'article 158. Nous allons vous lire l'article 158 et nous tournerons tout autour de cet article-là pour vous faire voir ce qui se passe exactement dans notre pays. Et après, ça sera l'article 158 et je vous ferai dérouler l'article 159 et le pourquoi de cet article-là. Nous allons en parler aujourd'hui parce que cette Constitution nous exige aussi à ce que nous puissions la connaître. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Kinshasa, pas de prise d'otage à l'alimentation Kinmarché. Ça, c'est police qui parle. Et puis Ituri, encore une dizaine de corps sans vie découverts à Mambasa. L'aéroport de Kavumu à Bukavu à nouveau fermé, 7/7. Massacre de Yumbi, le procès s'est ouvert ce mardi. Et puis RDC Volcan, 3 immeubles s'effondrent à Goma, plusieurs blessés signalés. Congo profond, 2 titres, Bukangalonzo, fausse accusation contre Patrice Kitendi. Et puis paiement en espèces égal ou supérieur à 10 000 $. La BCC dit non à Ngobila. 7/7. Dans 7/7, nous avons Kassai Dieudonné Pemien saisi la cour constitutionnelle pour contester la procédure de sa déchéance. Éruption volcanique Niragongo, le dernier bilan fait état de 32 morts. On termine par Radio Okapi.
Sud Kivu, la CIECO dénonce la violation des droits des enseignants à Butembo. La police de la MONUSCO remet de vivres à deux orphelinats. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Nous allons parler de l'article 158. Laissez-moi quand même un peu vous lire ce que dit cet article-là. L'article 159, je le ferai dérouler ici. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le 2/3 des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tierce tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, et il est investi par ordre du président de la République. Bandeko, ça c'est un texte qui vient cru de la Constitution, notre Constitution, donc l'article 158. Et ça n'a pas comme Macambouébélé. Donc, ce n'est que les purs juristes qui, parfois, peuvent nous expliquer. Nous ne faisons que lire, et c'est du français, Moutouna Moutouaza pour comprendre Nandengue Naye. Mais, et là, on a l'ingana loba sur cet article ici, Bandeko, nous avons vu, bah, juristes, nous espérons que ce sont ceux-là, des professeurs qui se targuent que ce sont des constitutionnalistes, qui n'ont pas la télévision, pour essayer un peu de se poumoner à justifier cet article. Pourquoi? Parce qu'il y a eu nomination, il y a un juge Moussousou. Parce que ça, c'est ça qui a constitué même l'origine de la situation de Zako vivre Boyelelo. Et là, quand on a fait une émission, on a expliqué et Kozaki. Batu ba komi sikoko la mukabazo mona ba intention ya baninga na bango. Ça, ce sont les juristes qui nous expliquent. Ils nous ont expliqué. Okomona baza ba juriste misatu, mutu na mutu azo expliquer le même texte oyo na ndenge naye. Finalement, cour constitutionnelle wana eza ndenge ezali lelo. Bandenge bazlobaki, président Salaki Makamune ndenge azalaki. Toyokaki kote mususu menda lobi, fale toza na batu na cour constitutionnelle. Donc, et comme chambre moko oyo, ba homme politique, baza kolinga ba, ba soir pouvoir na bango kuna. Pourquoi peuple congolais na zako ebisabino boy? C'est parce que Babilo konyoso oyo ezako ya na cour constitutionnelle. Ce qui est en obédience à la président de la République et qui est le cas. C'est-à-dire donc que la Cour constitutionnelle, il faut être en obédience, donc il faut être en cour, il faut être en poche à la président de la République, il faut être en challenge à la président de la République. Biloko, oh non, ce président, Koloba. Donc ils vont travailler pour le président de la République. Na batu mususu, oh batu na bango. Ce qui est le cas de la présidente de la République, ainsi corruption est continue. Jugement, le jugement est juste. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'une obédience. Or, cette cour constitutionnelle, il faut être absolument neutre et puis être indépendante. Indépendance, c'est comme on a dit. Et ça la cana serment moko ya ingratitude ba juge ba za la kanango. Ça se voit dans la pratique de la loi. Ndenge bazo sala ba jugement na bango, okoye ba kaka ke juge oyo azatana ou bien cour oyo ezatana obedience mokote. Mais et pas na biso c'est flagrant bandeko.
Et c'est ainsi que Batumsusu Oyo, Bakenda qui au Basbalo Bakato, Deboulona qui Bango, on a fait remplacer que d'autres juges, Naba juge au Bazan à obédience à Bango. Pourquoi? Parce que toutes les mesures qui seront prises et que les recours iront à la Cour constitutionnelle ne pourront pas passer s'il est, contraire à la volonté de celui qui est au pouvoir. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle, Oyo, Toza Komonango, Eza. Il y a poche, il y a pouvoir. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, mais même dans le passé, c'est pour cela. Après les élections, tu sais que dit le père n'a pas voulu aller à cette Cour suprême parce qu'à ce moment-là, ça se parlait à la Cour suprême, pas ça la recours. Ou bien en 2016, c'est là qui. En 2016, oui. Donc, on n'a pas voulu aller à la Cour constitutionnelle parce qu'on savait que. Kurwana eza ekokiko loba contraire tena makambu ya président o azana kati kuna na 2011 na 2006 plutôt. Donc babiloko oyo kur na biso ezali pratiquement na kati ya poche ya bato na ba politiciens asiko, donc ils font tout basala kanyoso tout pour que batia bato na bango côté kuna pour que akato sali ba élection za biazé. Ça ne deviendra que la volonté de cet homme-là. Et que ça la caca volonté à Nani, il y a président de la République. Parce que, maintenant, c'est quelle justice que nous avons. C'est ainsi que, Bokomona, dès que nous avons une cour constitutionnelle qui n'est pas respectée, Babiloko, nous sommes éthiques. C'est comme dit Moutou, ce qui est malamouté, ma colonna Babiloko, Moussou, et Kotambo, la pelle, Soussou, malamouté. Vous comprenez maintenant parce que c'est ça. Tant que nous allons déboulonner, nous avons déboulonné ceci, nous savons ceci, nous avons fait ceci. C'est parce que tout au départ, il a fallu faire une course. Il y a qu'on récupérer dans une cour constitutionnelle. C'est-à-dire cour constitutionnelle, pour placer bo place ba joueur na bino kuna. Boyebika ke bango kuna baza ba défenseur ya ba biloko nyonso tout boza ko sala. Ba kei na parlement. Bakéi na soki nanane na ko déboulonner ma premier ministre ba tumsusu ya régime passé bandeko on n'a pas changé le système mais on a changé les joueurs système eza yango moko kaka mais maintenant la conséquence de cette histoire c'est quoi boye komo na kaka même tolo bandeni tolo ba inconsciemment les arrêts même de ce cours constitutionnels ne sont plus respectés. Et ça qu'on remplit sous mission à Yangote. Cette cour ne remplit plus sa mission parce que déjà, na Congo central, gouverneur Oaza Kote Kuna, la cour constitutionnelle avait confirmé la destitution de, ce monsieur-là. On avait confirmé la destitution par des arrêts. Or, bah, arrêt à cour constitutionnelle et Zalakali Soussou, et puis ça recours à Zalakali Soussou. Quand elle a été rendue, les arrêts sont rendus, c'est fini, c'est fini. Mais regardez, Bandeko, dès le départ, cette cour, tomona katango ba proclamation ba résultat, il y a eu des recours de députés. La cour constitutionnelle avait déjà tranché, on ne pouvait pas, mais ba ko sala susu ba rectificatif. Et j'avais parlé. Un pas en avant, un pas en retour. Ezako annulé inconsciemment, sérieux, Ezal Susunamboka, Nabisote. Bandeko, nous avons vu, Nabamboka Mususoki, Moutoua Kangama qui n'a erreur à justice. Akangama d'abord. Il va falloir que non. Bambou là-bas justifie Babilo Kwana pendant longtemps. Mais les gens sont réhabilités. Mais ce n'est pas dans la Cour suprême, dans les États-Unis. Non. Ça, ce sont des combats qui, presque, exactement, on ne peut pas. Moi, même quand on va changer en beauté. Surtout si les cours, les barrés, ils ont la Cour constitutionnelle. C'est fini. Et si, ils ont la Cour constitutionnelle. Mais chez nous, ce n'est pas le cas.